Ah, peinture flamande. La plus belle peinture du monde. Mieux que les Italiens, encore. Ah. Adoration des mages. Adoration des mages, c'est ça? Oui, la circoncision. Circoncision du Christ. Et le massacre des innocents. Le massacre des innocents avec des couleurs extraordinaires. Et c'est de Hugo van der Goes, magnifique. Ah, les couleurs, c'est complètement dingue. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut filmer avec l'autorisation. Celui-là, c'est quoi ? Délices de la terre ? Le jardin des délices de la terre ? Henri Maître de Blesse. Je connais pas. Par contre, Bush, c'est connu. C'est une œuvre qui est très très connue. Jardin des délices. C'est plus sombre en fait. J'ai l'impression que le fait de filmer, ça éclaircit les couleurs. Ouais, je vais me régaler là. Joachim Patinier. Belle jambe, triptyque, très joli triptyque. Belle jambe. Par contre, les gens ils vont voir l'Ermitage dans leur fauteuil avec les cacahuètes et la bière. Notre ami Lucas qui peignait, on le savait pas. Hein. The Healing, c'est quoi Healing ? C'est l'homme aveugle de Jéricho. The Healing, je sais pas ce que c'est. De l'homme aveugle. Ah oui, donc ça. Ah ben oui, il va le faire voir. Le miracle. Le miracle. Ah ouais, c'est peut-être ça. On va vérifier The Healing. Mm-hmm. Ouais, il y a un peu de dégâts là. Ah, c'est magnifique. Je suis tous les mariés. La seule qui soit livide, exempte, c'est Marie. Il y a une qualité d'exécution, c'est impressionnant. M. Cherk. C'est pas mal de filmer, ça évite de noter tout ça. Bruegel. Bon, la famille Bruegel, en fait, ils sont très nombreux. Il y en a beaucoup. Il y a les grands-parents qui peignaient, les parents, les enfants. Il y a plusieurs générations de Bruegel.
On a eu ça durant une exposition à Bologne. T'appelles, on a découvert qu'il y avait trois générations, trois